Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir à toutes les auditrices. Et bienvenue encore une fois de plus sur la plateforme de la fraternité, la plateforme même aussi de la générosité. Et je dis merci à tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour essayer de communiquer et d'échanger avec les uns et les autres. Je vous dis merci. Surtout, avant de commencer l'émission du jour, je tenais à sincèrement remercier Madame Aki qui a eu à faire un don à notre frère le roi du printemps. Et il faut dire que le roi a largement apprécié ce don, Madame Aki. Cela ne nous surprend pas. Vous êtes une grande âme et vous ne faites que le confirmer davantage. Et nous vous disons merci pour ce que vous avez fait. Puisse Dieu vous le rendre au centuple, voire même au-delà du centuple. Parce que toute bonne action n'est jamais perdue auprès de Dieu. Et c'est effectivement cette chaîne de la solidarité humaine que nous essayons de démontrer ici chaque jour pour convaincre les uns et les autres que malgré la noirceur de ce monde, malgré les difficultés, malgré, je dirais même la vilenie humaine, il y a encore des âmes qui peuvent donner et faire croire en l'humanité. Et vous faites partie de ces personnes à travers les gestes que vous posez. Chaque jour que Dieu fait, nous vous disons merci pour tout cela. Et j'espère aussi que tous les élèves de la classe pourront aussi vous remercier à votre juste valeur pour ce que chacun de vous fait. Et donc, aujourd'hui, nous aurons trois thèmes dans les sujets à élucider ici. Et le premier sujet concerne les congés anticipés. Avec le premier groupe des troubleurs conduits à Bembresso pour leur service civique. Ce sont quatre jeunes, dont une fille en provenance de Séguéla, qui ont été accueillis le samedi 18 décembre 2021 dans le centre de service civique de Bembresso, localité de Sangon. Sur un total de 25 jeunes qui devraient être recadrés sur les 2 semaines à venir dans le 10 centre. Il s'agit de jeunes réclamant des congés anticipés et auteurs de troubles dans les différents établissements de la Côte d'Ivoire à la veille des fêtes de fin d'année. C'est une action du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui entend resocialiser ces jeunes à travers une formation civique et citoyenne encadrée par le personnel militaire. Belle initiative, mais cela est-il suffisant? Voilà la question que nous nous posons toujours. Et en même temps aussi, j'aurais bien voulu poser la question à nos autorités. Pourquoi n'avoir pas proposé des solutions depuis 2011? Voilà autant de questions que je me pose personnellement. Et je me dis, est-ce qu'on ne peut pas élargir le programme dans tous les établissements? Pourquoi ne même pas réinstaurer le service civique pour essayer d'apporter la vraie éducation humaine à nos jeunes gens. Mais en réalité, si vous voyez un enfant déviant, c'est d'abord un parent qui est lui-même un échec de l'existence. Et donc, pour ma part, j'estime que les parents de ces enfants ne doivent pas rester sans subir les conséquences. Parce que pour moi, ces parents, autant que ces enfants-là devraient être resocialisés, rééduqués à nouveau. Et on devrait les présenter à la face du monde pour dire, voilà les parents irresponsables en train d'être éduqués au même niveau que leurs enfants. Parce que ce sont des parents mal élevés qui élèvent qui font des enfants mal élevés. Et donc, il fallait aussi qu'on reprenne l'éducation de ces parents-là. Les gens vont rentrer dans les jugements ou dans les a priori. Chacun est responsable de ses enfants à la fin de la journée. Et quand vous échouez à éduquer vos enfants et que vous venez jouer les surprises dehors,
et que vous voulez que la société hérite des déviances morales de vos enfants ou de vos progénitures, cela est inacceptable. En tant qu'un parent, mon enfant ne peut jamais se permettre de troubler les cours parce que je serai la première personne qui va lui enlever cette envie de façon radicale. Je réprimerai. C'est vrai, on dira tout du gouvernement, mais le gouvernement n'a pas pour vocation d'élever nos enfants à nos places. Le gouvernement a pour vocation de protéger, et c'est là que j'accuse le gouvernement. Parce que ces fauteurs de troubles-là devaient être réprimés de sorte qu'ils n'aient plus jamais envie. Et moi, je trouve que la mesure qui est là est trop douce. Et il faut aller plus loin. Il faut aussi qu'on prenne leurs parents et qu'on les mette en face de leurs responsabilités. On les met au même niveau de rééducation avec leurs enfants. Et on présente ça parce que je vois des émissions sans tête ni queue sur des chaînes comme RTI, des émissions de la promotion de la bêtise humaine et de la stupidité. Des émissions où on fait passer des jeunes gens pour salir et même pervertir les consciences. Je crois qu'on devrait faire passer ces parents-là sur les 2 semaines pour leur dire les 15 minutes de la honte et les torturer. Je veux dire, quand je dis torturer, je veux dire les mettre à l'épreuve pour leur dire vous avez mal élevé vos enfants et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui autant que vos enfants. Et après, vous recevrez la facture. Parce que je vous le dis en vérité, cette société ivoirienne a besoin d'un choc et d'un choc très fort et très profond. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, ça ressemble pour moi, je le dis clairement, à du cosmétique. Ce que les autorités sont en train de faire là, pour moi, c'est du cosmétique. Parce qu'on a vu avec les microbes, on a vu les centres qui ont été construits pour les microbes, mais combien aujourd'hui le gouvernement peut prendre un exemple? On a vu certains qui ont subi toute la formation, mais quand ils sont ressortis, ils sont allés de la même manière. Et donc, ne nous trompons pas. Cette mesure semble être belle à entendre, mais elle n'aura aucun effet. Et donnons-nous encore rendez-vous l'année prochaine et vous entendrez encore parler de cette même réalité. C'est un défi que nous lançons au gouvernement, mais c'est aussi un défi que nous lançons aux parents. Parce que les parents irresponsables ont pris l'engagement sur eux de ne pas permettre à des parents responsables comme nous autres de laisser nous, nos enfants, aller à l'école tranquillement. C'est devenu la société de l'irresponsabilité, c'est devenu la société de la bêtise humaine, c'est devenu la société sans frein. Et c'est malheureux. Et en même temps, le gouvernant, sinon nos dirigeants, se débarrassent rapidement des faits en faisant du cosmétique. Moi, je le dis, cette stratégie-là, c'est du cosmétique. On ne peut pas élever un enfant 2 semaines. On ne peut pas changer le mauvais comportement d'une personne en 2 semaines. Il faut du travail. Et ça doit se faire de façon collective aussi, selon moi. Sinon, nous sommes en train de perdre du temps. Et on aura encore à subir les mêmes conséquences. Et on viendra ici encore une fois de plus jouer tous les étonnés en pensant que c'est Dieu lui-même qui viendra faire le travail à notre place. Alors que Dieu n'a pas le temps pour ça. Nous passons au sujet numéro 2. Persistance de la fraude des titres de transport en Côte d'Ivoire. Quand les réformes se révèlent insuffisantes. La Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, a un réseau routier constitué de 81 996 km de routes, dont 6 514 km de routes bitumées et 75 482 km de routes en terre. Elle figure parmi les réseaux routiers les plus importants de la sous-région et rassemble un parc automobile de plus de 1 200 000 véhicules. En dépit de ce dynamisme, le transport terrestre est confronté à des cas de fraude. Environ 33% effectue le contrôle technique semestriel ou annuel selon la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. En outre, les routes sont également mortelles. Plus de 600 morts et 13 000 blessés causés par des routes ou des accidents de circulation sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire.
selon les statistiques officielles. La plupart de ces accidents sont dus en majorité à des facteurs humains et techniques. Pourtant, les réformes instaurées depuis 2014 étaient censées atténuer la fraude qui mine le secteur du transport terrestre et, par ricochet, avoir un impact sur les accidents de la route. Le contrôle technique automobile est un examen qui permet à l'automobiliste de s'assurer que sa voiture est en parfait état de fonctionnement et qu'il ne se met pas en danger en l'utilisant quotidiennement. Il porte entre autres sur l'identification du véhicule, le freinage, la direction, les pneus, l'éclairage et la signalisation, la structure. Le fonctionne, pardon, en utilisant au quotidien. Il porte entre autres sur l'utilisation du véhicule, le freinage, la direction, les pneus, l'éclairage et la signalisation, la structure, carrosserie, la visibilité, la pollution, etc. Conscient qu'un véhicule en circulation et en bon état est le gage d'une sécurité routière, la visite technique automobile pour le contrôle, la vérification du bon état de marche et de l'entretien des véhicules a été rendu obligatoire pour tout véhicule par le gouvernement, conformément à l'article 129 du décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016. Elle a également pour but de s'assurer que le véhicule automobile n'a subi aucune transformation susceptible d'avoir modifié ses caractéristiques techniques. L'état mécanique et la fiabilité des véhicules automobiles contrôlés sont vérifiés au moyen d'équipements automatisés reliés au système informatique du centre de visite technique et à la base des données de l'administration chargée des transports routiers. Ces contrôles sont complétés par des contrôles visuels. Et à la fin de la visite technique automobile, un certificat de contrôle technique sécurisé est établi immédiatement, visé par l'agent contrôleur qui l'a effectué et remis à la personne qui présente le véhicule au contrôle technique. Tel est le processus prescrit par le cahier des charges type relatif à l'organisation de la visite technique automobile des véhicules. Par ailleurs, l'activité de visite technique a été libéralisée depuis 2016, mais cette réforme du contrôle technique automobile a été réellement permis de mettre fin à la corruption, a-t-elle véritablement permis de mettre fin à la corruption et à la fraude qui mine ce secteur? Nombreux sont les usagers qui obtiennent le certificat de contrôle technique sans soumettre leur véhicule à la vérification requise. Sur recommandation de mon beau-frère, quand je lui ai soumis ma préoccupation de passer très prochainement le contrôle technique de mon véhicule, je me suis rendu à Bassam, où il exerce comme employé de la SICTA. Une fois là-bas, il est venu avec un appareil pour collecter les informations sur ma voiture. Il m'a demandé d'aller à la caisse pour payer les frais relatifs à la visite technique et de patienter juste quelques minutes pour récupérer mon certificat de visite technique. Et c'est là, et c'est ce que j'ai fait. Sans même que mon véhicule ne soit monté sur leurs installations pour les tests, j'ai obtenu mon certificat et je suis rentré chez moi, nous confie KK Pascal, entrepreneur en bâtiment. Son témoignage atteste qu'il est possible pour un usager de contourner aisément, avec la complicité de l'agent contrôleur de la station de visite technique, le contrôle technique automobile,
et obtenir son certificat. Et pourtant, l'article 10 du cahier de charge type relatif à l'organisation de la visite technique automobile des véhicules est sans équivoque à ce sujet. Sont considérés comme faux sans que les énumérations ci-après ne soient exhaustives, les certificats de contrôle technique sécurisés délivrés dans des conditions suivantes. Certificat de contrôle technique sécurisé délivré sans la présence du véhicule pour lequel la visite technique automobile était prévue. Prescrit ce texte. Interrogé justement sur la présence d'intermédiaires aux abords des stations de visite technique en vue de convaincre les usagers à leur remettre de l'argent afin que leur contrôle technique réussisse, Sandrine Siego, responsable communication de Maelia, nous a apporté des éclairages. Il faut dire qu'au départ, nous avons sollicité l'appui de nombreux mécaniciens et garagistes afin qu'ils nous accompagnent dans la prospection, qu'ils nous apportent des clients. Certainement que quand il, c'est-à-dire ce partenaire mécanicien, parlait à l'inspecteur pour dire que le monsieur là, c'est moi qui l'ai envoyé, c'est pour lui de dire que vous êtes son client. Il y a une nuance, parce qu'on les rémunère en fonction des clients qu'ils apportaient. Quand ils viennent, ils disent, celui-là, ce véhicule, c'est moi qui l'ai envoyé. Ils sont rémunérés pour cela. Si on peut vous faire une faveur, ce sera exactement sur la base du cahier des charges. Le chef de station peut user de son pouvoir discrétionnaire pour accorder la visite sur cette base, s'il juge que le point mis en cause est mineur, a-t-elle expliqué. Sandrine Siego ne conteste donc pas la présence d'intermédiaires aux abords de leur station de visite technique automobile. Par ailleurs, le chef de station de contrôle technique peut-il vraiment, selon les dires de Sandrine, user de son pouvoir discrétionnaire pour accorder le certificat de contrôle technique à un automobiliste à la base du cahier, la base du cahier des charges, s'agissant toujours de la présence des intermédiaires sur les lieux de visite technique, cette réalité n'échappe pas aux autorités gouvernementales. Des individus jouant les intermédiaires sur les lieux de visite technique entre les agents rançonnent allègrement les usagers au motif qu'ils échoueraient s'ils ne donnent pas de pot de vin, avait dénoncé pour sa part lors d'un point de presse tenu le 14 septembre 2021 Epiphane Zoro Balo, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, en pointant du doigt les services de la Société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel, en abrégé SICTA. Et pourtant, lors d'un entretien accordé le 19 octobre par Dominique Gouverneur, le directeur général de SICTA, à la rédaction de Fraternité Matin, celui-ci a défendu sa société face aux accusations dont elle fait l'objet. Aussi, vous parlez de fraude. Aujourd'hui comme hier ou avant hier, il est impossible, je dis bien impossible, qu'un véhicule fait son contrôle à la SICTA, ne passe pas la visite technique et ne puisse obtenir son certificat sans que le véhicule soit en état. Donc, il faut taire un peu les rumeurs. Les gens disent des choses et moi je veux et je peux vous dire. Il est impossible, je dis bien impossible, qu'un véhicule qui fait son contrôle à la SICTA ne puisse passer la visite technique et ne puisse obtenir son certificat sans que le véhicule soit en état. Donc, il faut taire un peu les rumeurs.
Les gens disent des choses et moi je peux vous dire aujourd'hui que nous avons des processus de qualité interne parce qu'on est certifié ISO. Parce qu'on a mis en place depuis de nombreuses années des processus de qualité qui font qu'aujourd'hui c'est impossible. Si l'usager a réussi sa visite chez nous, c'est que son véhicule est en état. S'il a échoué, c'est que son véhicule n'est pas en état. Chez nous, chaque contrôleur est tracé. Chaque ligne de contrôle est tracée. Chaque inspection est tracée. Chaque inspection est auditée. Vous vous rendez compte? Chez nous donc, c'est impossible, a-t-il indiqué. Malgré ce vigoureux démenti du directeur général de la SICTA, nous avons constaté, pendant notre enquête, l'existence bel et bien d'un business lucratif entretenu par certains agents contrôleurs. Ce que le directeur dit, il ment. Voilà. Et donc, sur la base de l'enquête qui a été menée par le journal du gouvernement Fraternité Matin, il est bel et bien évident qu'il y a l'existence d'un business lucratif entretenu par certains agents contrôleurs et intermédiaires aux abords et ou même dans les enceintes des stations de contrôle technique automobile. Des faits également dénoncés par le ministre Epiphane Zorobi Balo. Des cas de modification illégale même de numéro du châssis ont été constatés. Dès qu'on a un doute sur le châssis, automatiquement, on interrompt le contrôle. Le numéro de châssis, c'est 17 caractères qui indiquent le pays de production du véhicule, la marque du véhicule, la série, le titre, etc. Si un caractère est illisible ou effacé, ça remet en doute le véhicule. C'est la carte d'identité du véhicule. Si quelque chose n'est pas clair, c'est que ce véhicule n'est pas clair. Donc, on le rejette. A rassuré Chérubin Tchakari, le directeur des opérations Maëlia, rencontré dans les locaux de l'entreprise à Marcory. Sa réaction fait suite à notre question de savoir la conduite que doivent avoir les collaborateurs commis au contrôle technique face à un véhicule dont le numéro de châssis a été modifié, communément appelé la frappe à froid, sans l'autorisation préalable du ministère des Transports. Mais, que faut-il entendre par la frappe à froid? La frappe à froid, entre guillemets, est la gravure du numéro de série d'un véhicule sur son châssis. Elle permet l'identification du véhicule à toutes les étapes de sa fabrication. On utilise la frappe à froid, entre autres raisons, suite à un échec à la visite technique. En somme, le défaut d'identification d'un véhicule est une cause d'échec du contrôle technique. De même, un certificat de contrôle technique délivré pour un véhicule dont le châssis n'est pas conforme est considéré comme faux. C'est ce qui ressort à la lecture de l'article 10 du cahier des charges type relatif à l'organisation de la visite technique automobile des véhicules automobiles. Sont considérés comme faux, sans que les énumérations ci-après ne soient exhaustives. Les certificats de contrôle technique sécurisés délivrés dans des conditions suivantes. Certificat de contrôle technique sécurisé favorable délivré pour un véhicule non authentique avertit le même texte. Mais, entre les assurances données par celui-ci et les agissements de ses collaborateurs sur le terrain, il y a de très grands fossés. Et c'est cet état de fait-là qu'on critique. Quand vous regardez la RTI, le monde est beau. Quand vous écoutez les différents services, tout est bon. Mais quand vous venez sur la réalité ou vous vous confrontez à la réalité, tout est faux. C'est cette vérité-là qu'on dit à nos gouvernants. Et donc,
quand aujourd'hui, en juin 2021, quand j'avais fait une enquête et j'avais exposé, on aurait peut-être dit que l'éclaireur est un frustré menteur qui a inventé des choses. Quand en octobre, Epiphane Zorobi Valo vient reprendre les mêmes faits, quand en décembre ou fin novembre, l'IGE vient faire les mêmes rapports, et quand Epiphane Zorobi Valo revient encore sur ces mêmes faits-là, est-ce qu'on peut dire que toutes ces personnes-là ont inventé des faits pour mentir sur ce que dit le directeur de la SICTA et ce que M. Chérubien vient de dire de suite là, le directeur de Maëlia. Et donc, à un certain moment dans ce pays-là, il faut qu'on arrête de se foutre des populations. Quand quelque chose est mauvais et qu'on le dit et que ce n'est pas une personne, on doit confronter ces personnes-là. Mais l'éclaireur, on peut le confronter avec le directeur de la SICTA, on peut le confronter avec aussi M. Zorobi qui a dit les mêmes choses et aussi avec ceux aussi qui ont fait les enquêtes pour faire des l'IGE. On peut confronter et on verra réellement de quoi il est question. Mais en réalité, tout le monde sait où la vérité se trouve. Et tout le monde sait que tous les systèmes sont corrompus, surtout la SICTA. La SICTA est pourrie jusqu'à l'os. Tout le monde le sait. Et donc, le fossé est réellement grand entre ce que la direction de la SICTA et la direction de Maëlia affirme comparé à la réalité du terrain. Et la raison, un fait étrange s'est passé à la station mobile de la société à Abobo. On va leur prendre un exemple qui s'est passé à Abobo. La station mobile de contrôle des véhicules à Abobo. Un véhicule immatriculé de marque Hyundai Tucson, dont le numéro de châssis a été modifié sans autorisation du ministère des Transports, et une plaquette constructeur non d'origine, fabriquée puis collée sur l'engin, a obtenu, avec la complicité de l'agent contrôleur, son certificat de visite. À la suite de la frappe à froid non autorisée de ce véhicule Hyundai Tucson, a le numéro de série suivant. Et on va vous donner le numéro. Si comme vous dites, les gens mentent là, voilà le numéro de série du véhicule en question. Tout est en grand majuscule. K comme Kwame, M comme Marie, J comme Jacques, W comme W, V comme Valérie, H comme Henri, 7 comme numéro 7, H comme Henri, P comme Paul, 1 comme numéro 1, U comme université, 33, 94, 71. C'est ce véhicule-là. Ça s'est fait à Bobo. Qui correspond en réalité au numéro série d'une van modèle H1. Et là, vous dites quoi maintenant? Ce véhicule devrait normalement échouer à la visite technique. C'est après le rapport de visite où il a échoué que le propriétaire doit faire la procédure d'autorisation de frappe à froid. Et il revient avec le document délivré par le ministère des Transports pour refaire la visite technique. Nous a confié sous le sceau de l'anonymat un agent de Maëlia d'ailleurs, un document émanant de David Fofana, le président directeur général de la société, intitulé « Alerte éthique », rédigé en septembre, semble confirmer les agissements répréhensibles de ses collaborateurs sur le terrain. Chers collaborateurs, nous avons été convoqués par la police nationale le mercredi 1er septembre pour les faits suivants. Cas de corruption et de fraude constaté sur une STM, c'est-à-dire une station mobile. Nous avons entendu les faits qui ont été présentés par le commissaire et naturellement, nous avons rejeté les accusations qui vont à l'encontre de nos valeurs et de nos éthiques. En effet, en qualité d'entreprise responsable et engagée, nous défendons l'intégrité de nos collaborateurs et le respect par chacun d'eux des règles éthiques. Nous voulons ainsi croire que les preuves dont disposerait la police ne viendront pas nous dédire, a averti M. David Fofana. Les enquêtes judiciaires
selon les informations que nous avons récoltées, se poursuivent au sujet de cas de corruption et de fraude dont la justice s'est saisie. Parlons maintenant des faux certificats de contrôle technique qui sont actuellement en circulation. Le certificat de contrôle technique est délivré à l'usager au vu du procès verbal de constat remis à la fin de la visite technique. Ce document, sécurisé et indispensable lors d'un contrôle de police, fait régulièrement l'objet de fraudes de la part de certains propriétaires de véhicules. Quel est le mode opératoire utilisé? Vous voyez, on a un certificat de visite technique. On a scanné le code QR. Il nous permet de voir les données qui sont cachées dans le code QR. Regardez l'immatriculation qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Le support, lui, est bien un support de chez nous. Si ce ne sont pas de bons certificats, on ne pourra pas avoir les informations. Par contre, ils ont modifié l'information visible, c'est-à-dire l'immatriculation et la date d'expiration. Raison pour laquelle on conserve l'ancienne carte. Vous comprendrez pourquoi, quand les gens volent les pièces des véhicules, on ne les retrouve pas. Si le certificat de visite technique est encore en cours de validité, il décolle le plastique et il réimprime une autre immatriculation et il le recolle, a expliqué Geoffroy Tano, responsable technique adjoint à la SICTA, montrant ainsi que certains automobilistes sont en possession de vrais faux certificats de contrôle technique. Pour mettre un terme aux agissements de ces propriétaires de véhicules indélicats, celui-ci ajoute: on fait ce qu'on peut et c'est pourquoi aujourd'hui, chaque fois qu'un certificat de visite technique arrive chez nous, on le conserve. Mieux, on le perfore pour le rendre inutilisable et en fin d'année, on collectionne tous nos certificats de visite technique sur toute l'étendue du territoire national pour procéder à leur destruction. Monsieur Tano nous relate également une autre technique des fraudeurs, mais cette fois-ci sur la carte grise du véhicule. Un véhicule entre en Côte d'Ivoire. Il peut venir en fourgon et en deux places. Le cas des Massa Sprinter. Il effectue une visite technique de deux places pour le transport de marchandises. Mais quand il sort du guichet avec son certificat de visite technique d'un an, alors que le propriétaire qui a importé a l'intention de faire le transport de personnes, il a une visite technique d'un an et parfois même il a une assurance de transport de marchandises. Par la suite, il transforme le véhicule en 18 places. Les plus intelligents vont commencer la procédure de transformation, c'est-à-dire une réception à titre isolé pour qu'on dise qu'il a commencé la procédure pour transformer le nombre de places de 2 à 18 places. Il y a une réception à titre isolé. Il arrête le processus et il va rouler avec ce document jusqu'à la fin de l'année parce qu'il ne va pas refaire la visite technique et il a une assurance de transport marchandises. Il a une réception à titre isolé de 18 places. Il a une carte grise de 2 places. Et quand on a une carte grise de 2 places fourgon, on ne peut que te donner une assurance de transport marchandises. Mais il transporte en réalité 18 personnes et quand la police l'arrête, il dit
qu'il a tous les papiers en règle. La réception à titre isolé, c'est un document qui permet de procéder à une modification d'une donnée de la carte grise. Si vous changez la couleur de votre véhicule et que vous voulez refaire votre carte grise, vous allez faire constater par l'autorité des transports qui vous a donné une réception à titre isolé. Le véhicule n'est plus vert, il est devenu bleu. Et c'est avec ce document que vous allez au centre de gestion intégrée pour changer votre carte grise. Puisqu'on doit pouvoir vous identifier à partir de ces informations figurant sur la carte grise, relate-t-il. Cela confirme non seulement l'existence de la fraude sur la quasi-totalité des titres de transport, mais également la dextérité dont font preuve certains automobilistes malhonnêtes pour tromper la vigilance des agents du ministère des Transports et les forces de sécurité sur le terrain. Et donc, on va s'arrêter là un peu pour expliquer quelque chose à nos parents. Tout ce qu'on vient de vous dire là, on va expliquer ça en français facile. Un véhicule vient de l'Europe. Les massacres que vous connaissez là, les Dinas là, quand ça vient normalement, c'est véhicule de deux places. Et comme c'est deux places, c'est une fourgonnette, normalement c'est destiné au transport des marchandises. Qu'est-ce que les gens font? Ils vont déposer les papiers et ils ne changent rien sur le véhicule, ils ne déclarent pas ce qu'ils vont faire avec le véhicule. Et dans ce cas-là, quand les documents vont sortir, dans les bases de données, c'est considéré que c'est un véhicule fourgonnette de transport de marchandises. Et ce qu'on explique et qu'il faut que les gens comprennent, c'est ceci. Dans le meilleur des cas possible, s'il y a un accident, puisque tout est fait sur la base du faux, même si vous êtes 20 personnes, parce que c'était un Dina qui roulait entre Bengerville et Adjamé, même si vous mourrez là, l'assurance peut dire qu'elle ne reconnaît que deux personnes au vu du document qui est sorti de la CICTA pour dire que c'est un véhicule de transport de marchandises. Donc, vous qui êtes mort, les 18 là, vous êtes considérés comme marchandises. Ça veut dire votre vie là, ça ne vaut rien. Votre vie là, vous êtes considérés comme marchandises. C'est comme si c'était des tomates qui se sont versées sur la route. Tout ce qu'on peut dire, ramasser et puis aller jeter. Donc, c'est très important de comprendre les dangers auxquels nos populations font face chaque jour que Dieu fait. Et après, lorsqu'il y a des accidents du genre, même les assurances même sont faussées aussi. J'ai bien dit dans le meilleur des cas. Sinon, on a même vu des assurances de moto avec. Parce que c'est la corruption. Hein. Quand ils vont faire l'assurance, ils ne vont pas dans les agences agréées. Ils ont des petits bonhommes dans les quartiers qui peuvent même leur faire des assurances peut-être de moto. Et on met ça sur des véhicules et on circule avec ça. Tout ça existe. Approché dans le cadre de notre enquête, la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, c'est-à-dire la DGTTC, n'a pas démenti la fraude sur les titres de transport. Et donc, si cette structure de l'État même reconnaît que la majorité même des véhicules de transport sont en porte-à-faux avec les lois, relativement au titre de transport, je crois que cela finit par éclairer définitivement la lanterne de chacun d'entre nous. Bien sûr que nous avons écho. Nous sommes et nous avons conscience que lorsqu'on met en place un système, il y a toujours des personnes qui estiment qu'il faut contourner ce système. Il faut faire en sorte qu'on puisse soit le combattre, soit l'affaiblir. Nous avons bien conscience de cela, des velléités de fraude, comme vous l'avez si bien dit. Et nous prenons des dispositions. Ce ne sont pas les usagers qu'on arrête et qu'on traduit devant les juridictions compétentes qui manquent. Il faut le dire, le dispositif est fait de telle sorte qu'on arrive à prendre les gens. Peut-être qu'il va falloir communiquer un peu plus
sur ces aspects-là. Mais il est clair que ces personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques prennent de très gros risques sur leur vie, sur leur liberté, a martelé M. Lucien Thiessier, directeur général des transports terrestres et de la circulation, rencontré au mois de novembre 2021. En définitive, les réformes instaurées par les pouvoirs publics en 2014 pour la délivrance des titres de transport sont effectivement mises en œuvre. Face à la persistance de ces maux, la dématérialisation de tout le processus et la mise en place d'une approche centrée sur l'humain, acteur majeur de la fraude, pourra constituer la solution plus efficace et plus durable. C'est un article de Fraternité Matin, très bel article, et cet article même vient démontrer toute la grandeur du travail d'investigation et d'enquête que devrait faire véritablement un journaliste. C'est en cela que je salue cet article-là, parce que une structure du gouvernement qui vient confronter d'autres structures du gouvernement, parce que qu'on le veuille ou pas, Fraternité Matin, c'est le journal officiel du gouvernement, mais avoir le courage de faire une enquête sur d'autres structures du gouvernement et dire ce qui ne va pas, c'est chose très rare chez nous. Et il faut, comme disait Mme Akier, redéfinir même la fonction de journaliste en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, si c'est pour venir me dire qu'on a arrêté 4 personnes, je crois qu'on n'a même plus besoin que les gens nous écrivent ça dans les journaux. Il vous faut aujourd'hui des analyses et des enquêtes. Voilà la seule issue qui vous reste. Mais malheureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est des journalistes militants, c'est des journalistes affamés, c'est des journalistes qui sont des caisses de résonance des chapelles politiques. Et après, on veut qu'on respecte le pays. C'est malheureux. Tant qu'on n'aura pas changé ces paradigmes-là, ne nous attendons pas au meilleur. Et nous terminons définitivement avec un écrit d'éclaireur pro-vérité qui fait une projection en 2023. Et l'article a pour titre 2023 ou la saison du grand mensonge. En 2023, sauf cataclysme, aura lieu les élections communales en Côte d'Ivoire. À l'occasion, tous les moyens seront alors mis en œuvre pour persuader les électeurs de voter pour soi. Je dis bien tous les moyens, y compris la duperie, la flagornerie, le mensonge, à laquelle nombre de personnes résidant en majorité dans l'arrière-pays et en zone rurale singulièrement ne prêteront pas du tout attention. D'autant plus que leur culture politique et même intellectuelle ne s'étendent pas à ces subtilités de jugement et de différenciation à faire au niveau des fonctions exactes et des titres que portent les leaders et élus politiques venant solliciter leur suffrage chaque 5 ans. Aussi est-il utile, voire indispensable, d'attirer l'attention des uns et des autres sur le jeu sans honte des flagorneurs, des politiciens menteurs, c'est-à-dire tous ceux qui viendront miroiter aux populations les facettes d'une vie angélique faite que de bonheur, à laquelle elles accéderont immédiatement, comme par enchantement, dès qu'elles auront porté leur vote sur eux en tant que maire de leur localité. Il convient de dire et d'insister que durant ces élections à venir en 2023, on entendra certains slogans du genre « C'est au nom du président Ouattara que je viens à vous. Si vous ne nous votez pas, les opposants vont vous tuer tous. Votez pour nous pour ne pas infliger au président la honte de sa vie. Votez, nous et tout le monde aura du travail.
et j'en passe. Tous ces mensonges ne passeront plus. Durant les 11 ans de règne du président Ouattara, ne vous êtes-vous pas approché des populations comme l'a moult fois recommandé le président Ouattara? Les candidats du RHDP auront en réalité fort à faire, car des comme éclaireurs pro-vérité continueront à éveiller les consciences collectives, à ne plus voter des cadres ingrats, des soi-disant cadres inhumains et méchants dans leur âme noirâtre. Nous mettrons le peuple en face de vos lacunes et surtout, nous rappellerons avec insistance à nos compatriotes vos méfaits, surtout contre les militants du RHDP. Nous sommes alassanistes et non des partisans de ces cadres en tige de manioc qui, une fois élus, disparaîtront dans la nature pour encore 5 années. Du côté de l'axe du mal, c'est-à-dire les opposants inutiles ivoiriens, il y aura sans nul doute aussi les dénigrements systématiques du pouvoir en place, soucieux d'affaiblir le régime en place et surtout de le handicaper dans sa gestion tous azimuts de son programme de gouvernement. Ils, c'est-à-dire les opposants toxiques, ambitionneront donc d'être les plus nombreux dans nos communes afin de s'enrichir pour bien financer le prochain Conseil national de transition, en abrégé CNT. Aussi, donner le change sans retenue aucune aux populations sera leur arme favorite. Ils ne s'embarrasseront guère de discours tribaux et autres stratégies de manipulation saupoudrées de haine xénophobe à cet effet. Toutefois, on le sait bien désormais. À ce propos, les électeurs ivoiriens sont de plus en plus portés sur le concret pour se faire une idée, voire une opinion de quelle formation politique est à même de faire leur affaire. Et c'est tant mieux. Source éclaireur pro vérité. Et donc, nous en avons fini. Vous nous excusez largement pour le temps qui a été pris. Et de ce pas, nous allons donc passer à notre mère, Madame Blanc, qui va lire son éditorial. Et lorsqu'elle aura fini, toutes les personnes qui sont désireuses de poser des questions ou même de donner des avis, vous pourriez le faire. Dans les 15 premières minutes, vous signalez votre présence et le souhait de pouvoir vous exprimer. Ce sera avec beaucoup de plaisir que nous pourrions vous laisser la parole pour que vous vous exprimiez. Et donc, je dis encore une fois de plus merci à tous les élèves de la classe qui contribuent à la sécurisation et à la propagation même de ce message-là. C'est toujours un véritable plaisir. Oui, allô? Bonsoir, chère mère. Bonsoir, cher fils. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Je vais excellemment bien. Et surtout, d'abord, avant de vous donner la parole, merci pour l'arbre de Noël que vous organisez au nom de la... Voilà, au nom de la classe éclaireur pro-vérité. Vraiment, oui. Cet acte de générosité-là nous va droit au cœur, mais doit être un exemple. C'est avec plaisir. Oui, c'est avec plaisir. Pour que les gens puissent copier le bon exemple. Et oui. Vous êtes déjà une pionnière dans ce sens-là. Et nous ne pouvons que vous dire merci, vous et à M. Blanc. Et à tous les élèves. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui. J'en profite aussi pour attirer l'attention de tout le monde. Pour ne pas qu'après, il y ait des mécontents pour dire qu'ils ne savaient pas. Mm-hmm. Donc, c'est un moyen aussi de ventiler l'information. Effectivement. Le 26 décembre, de 14h à 16h, aura lieu l'acte de Noël des enfants des élèves de la classe. Mm-hmm. Voilà. Merci beaucoup.
tout le monde y est invité. Oui. Cela dit, j'y vais. Alors, mon texte aujourd'hui s'intitule « L'omerta et ses méfaits au sein d'un pays ». Qu'est-ce que l'omerta? Une omerta est un silence gardé sur un sujet compromettant dont on fait un tabou. Si l'omerta était un monde, ce serait celui de toutes les monstruosités dont l'être humain se sent coupable par cupidité. Tout y est faisable, mais surtout, tout est caché, tout est tu. Le meurtre, le détournement des deniers publics, les organisations terroristes. Un monde où les personnes coupables de crimes jouissent d'une hardiesse sans pareil, car ayant de solides attaches en haut lieu. Qu'un citoyen lambda se rende coupable d'un délit, il sera conduit au geôle fissa. Mais certains criminels restent impunis. Ils sont souvent les fils d'eux. Ils peuvent dépenser des milliards de nos francs dans des achats de cartes de vœux et de spiritueux ou citer dans des trafics illicites de nos bois précieux. Ils seront pardonnés et leurs crimes impunis. Dans tous les cas, soit on met un pied sur leur crime, ou quand il vient à être su, on le banalise. Quand pourrait en être autrement? La plupart ne portent-elles pas un patronyme des compagnons de la première heure du Père de la Nation? Ils sont nés et ont grandi en n'entendant parler que de milliards autour d'eux. S'ils parlent de millions, c'est avec amertume. Dans ces conditions, pensez-vous qu'ils s'abstiendront de se servir abondamment dans les caisses de l'État? D'ailleurs, qui sont les petits citoyens qu'ils crèvent? Ils n'avaient qu'à être porteurs d'un patronyme célèbre. Ainsi, combien de méfaits ont été infligés aux Ivoiriens dans le noir à la faveur de l'omerta? Rangés, oubliés, circulés, il n'y a rien à voir. L'omerta, ce gros ver de terre gluant et laid, est dans le fruit. Côte d'Ivoire, depuis des lustres, où un coup de fil suffit. Il fait des dégâts, il souille le fruit et le détruit de l'intérieur. Pour combien de temps encore? Ils viennent dans les affaires de l'État par clan, une vraie nébuleuse où la secrétaire, la petite amie de l'oncle maternel, le chauffeur, son cousin, son avocat et un ancien condisciple, tous consentant au vol et en alerte pour garder le secret et voler à bras le corps. Si vous vous attaquez au cerveau du camp, les autres feront tout pour tenter de faire barrage. Il faut que cela s'arrête. Ils siphonnent l'économie du pays parce que les fonds détournés sont investis hors de nos frontières. Citons le Ghana et la France, par exemple. Il est grand temps de mettre un terme à l'omerta qui découle des méfaits. Les signes qui nous parviennent sont terrifiants quand nous nous référons au double clouage au sol de nos aéronefs au Mali puis en Guinée. Eh bien, une nation saisie suite aux magouilles de personnes sans foi ni loi. Nous avons touché le fond. Humiliation. Vous avez dit humiliation. Nous y sommes. Merci beaucoup, éclaireur. Madame Blanc, c'est à vous que reviennent tous les remerciements et tous les honneurs. Surtout, le texte que vous avez écrit doit amener chacun à la réflexion. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs qu'on doit forcément broyer du noir. Il faut essayer quand même de nous élever et d'arriver à un esprit un peu plus éclairé. On espère bien que les autres comprendraient ce que nous sommes en train de dire et que chacun serait prêt à apporter sa part de contribution dans ce combat-là pour que le copinage et les nominations des parents puissent cesser au détriment des personnes de valeur et qui ont de la compétence. Vraiment, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et très excellente soirée à vous. Merci à vous, pareillement, et à tous les élèves de la classe aussi. Merci beaucoup. Et donc, il y a des élèves de la classe qui ont demandé à Paris où se passera l'arbre de Noël. Si vous êtes à Paris, effectivement, et que vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous recevrez la notification et les informations parce qu'on n'a pas envie que des gens partent nous frapper là-bas un matin. Donc, on essaye d'évoluer de façon très organisée. Si vous suivez les activités de la plateforme, du groupe, vous aurez les informations qu'il faut.
Et donc, nous allons commencer avec la première personne qui souhaitait s'exprimer. Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, ça va. Vous avez demandé de vous appeler en fin d'émission, c'est ça? Oui, mais c'est déjà bon. Je vais intervenir, c'est mieux. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que je voulais faire quelque chose, mais je vais intervenir, c'est nettement mieux. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la parole. Ok. Okay. Je voudrais d'abord remercier les uns et les autres. Mm-hmm. Pour tous les efforts qui sont fournis tous les jours mmh. pour pouvoir permettre à l'émission de se passer dans de très bonnes conditions. Mmh. Je vous remercie vivement. Je remercie Madame Blanc qui vient d'intervenir. Mmh. Je remercie le roi du printemps. Je remercie Yann, Walter Otto, de Meïté Tefut. Je remercie tous ceux qui interviennent jour et nuit. Alors, aujourd'hui, les sujets d'actualité sont très intéressants. D'abord, il y a la fraude dans le domaine du transport. Je vais parler de la fraude dans le domaine du transport. Ensuite, je vais parler plement de la sécurité routière. Puis, je vais revenir sur les cas des élèves. Les sanctions qui leur ont été imposées, elles me paraissent très injustes. Je vais revenir dessus et puis je vais terminer par le rappel quotidien. Alors, tout de suite, en ce qui concerne la fraude dans le domaine des transports, vous savez, il y a eu plusieurs émissions ici où nous en avons déjà parlé. La dernière fois, comme on l'a dit, la répétition est pédagogique. Lorsque nous en avons parlé, on avait insisté sur le fait que, dans un premier temps, il faut d'abord chasser tous ces démarcheurs ou margouillards qui traînent autour des stations des visites techniques. Pour les chasser, il faut lutter contre la technique de fraude qui est appelée les jackmanis ou bien la frappe à froid. Et puis encore, ce qui est encore très grave, c'est ce que vous avez révélé concernant le fait que lorsque le camion arrive au port, pour pouvoir détourner le véhicule, il y a la fraude dans ce secteur au niveau des titres de transport. Tout ça, c'est très grave. Mais là-dessus, il faut pointer du doigt non seulement les agents qui sont dans les services publics et privés pour pouvoir délivrer les types de transport, les visites techniques, il faut les pointer du doigt, mais il faut indexer également nos parents. Ayons le courage de les dire, nos parents transporteurs, ce sont des gens qui adorent énormément la fraude et c'est vraiment très malheureux. C'est vraiment très malheureux. Même dans le domaine des assurances, il y a une très grande fraude qui dit pas son nom. Vous allez vous rendre compte, la semaine dernière, moi-même, j'ai vu un cas comme ça de mes propres yeux. Un camion dans un état de dégradation très avancé qui fait la ligne à Djamé-Trècheville. Et je ne sais pas par quel micmac ce camion-là arrive à circuler. Comment a-t-il fait pour obtenir ces documents? Moi-même, je me pose des questions. Les questions, il faut se les poser à plusieurs niveaux et les responsabilités sont partagées. Et il est grand temps de vraiment frapper très fort. Vous allez dans plusieurs quartiers, il y a des lignes. Les camions qui transportent les gens, quand vous les voyez, vous serez complètement déçus. Vous allez vous poser des questions, mais comment ces camions-là parviennent à avoir les documents pour faire les transports. Mais à la réalité, éclaireur, je vais vous le dire clairement, ces camions-là n'ont aucun document de transport. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de visite technique. C'est moi qui vous le dis. Ils roulent comme ça. Très souvent, on nous dit que c'est avec la complicité des commissariats de police. Voilà ce qui est dit. Et c'est vraiment très malheureux. Ce à quoi nous assistons, nous nous demandons si rien n'est fait dans les années à venir, de quoi la Côte d'Ivoire sera faite. La fraude dans les transports, ça tue plusieurs Ivoiriens,
ça détruit des vies. Donc, il est vraiment important d'accentuer la lutte contre la fraude dans l'obtention des documents de transport. C'est très important. Il faut accentuer la lutte contre la fraude. Maintenant, la proposition qui avait été faite la dernière fois, c'était que on commence à installer des industries automobiles en Côte d'Ivoire. La meilleure des solutions, nous avons eu à le dire ici, il faut installer des usines dans le domaine des pneumatiques, il faut installer des usines dans le domaine de l'industrie automobile. Et une fois que ces industries-là sont installées, il faut trouver des mécanismes pour encourager nos frères transporteurs à avoir des camions où ils vont travailler pour payer. Chez les blancs, comment ça se passe? Quand vous vous levez, vous dites que vous avez une entreprise de transport, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, vous cherchez tous vos documents, les documents qui sont relatifs à une entreprise de transport. Vous vous mettez en règle vis-à-vis de la loi. Une fois que vous avez des documents, vous avez un fonds de départ. Par exemple, si on vous dit un camion coûte 100 millions de francs CFA et que vous voulez, par exemple, 6 camions pour commencer, ça fait 600 millions. Vous ne payez pas les 600 millions un coup. Vous pouvez payer ne serait-ce que 10% de l'argent ou bien 15%. Vous voyez, si vous payez 10% de 600 millions, par exemple, ça revient à 60 millions de francs CFA que vous payez et les camions ont tous les documents. C'est assuré, tout est assuré, tout est au top. Et puis vous travaillez maintenant pour rembourser, pour payer un peu. Parce qu'ils sont conscients que si on demande aux gens de payer un coup, personne ne peut le faire. C'est une société de consommation. Il faut booster les uns et les autres à la consommation. Donc c'est ce genre de mécanisme-là qu'il va falloir instaurer ici pour qu'on en finisse avec ces géris-là. On ne peut pas continuer à se déplacer dans des géris qui tuent les gens. Il y a un problème. Les gens ont besoin de voyager. Il n'y a pas de camion. Il n'y a pas de camion. Dans l'obligation, les gens, même quand il y a des camions même qui laissent à désirer, ils sont obligés de prendre. Il faut trouver des voies et moyens pour mettre fin à ça. Et là-dessus, il faut sensibiliser nos parents. Il faut sensibiliser nos parents. Il faut les encourager à se mettre en règle vis-à-vis de la société. Les sociétés de visite technique, là, faut prendre des sanctions contre les agents qui sont constamment impliqués dans la fraude. Il y a problème. Ces histoires de Djakoumani, frappe à froid, c'est très grave. Vous prenez le numéro de Tchassi d'un autre véhicule là-bas, vous venez positionner ça chez un autre véhicule. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc la solution qui est là, il faut commencer à faire tomber les sanctions. Mais au-delà des sanctions, il faut vraiment implanter des industries au plan local. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Actuellement, il y a un besoin réel de transport un peu partout en Côte d'Ivoire. Puisque tout le monde a besoin de voyager. Chacun veut aller en famille, mais vous allez vous rendre compte que sur certaines lignes, les camions même qui vont servir à transporter les hommes laissent à désirer. Ça laisse à désirer. Et c'est très grave. La Côte d'Ivoire est un pays de référence. On ne peut pas continuer à voyager dans des conditions délétères. Il faut encourager les uns et les autres à renouveler les parcs auto. Là-dessus, je veux vraiment féliciter très vivement dans l'ensemble les transporteurs de la ville de Korogo. À Korogo, les transporteurs qui font la ligne Korogo-Abidjan, très rarement vous allez voir des cars en mauvais état. Si vous avez un car en mauvais état, vous n'aurez pas de clients parce que il y a près de 9 compagnies à Korogo. Et la plupart, les cars sont en bon état, les cars sont entretenus, les cars sont climatisés. Donc, il va falloir que les transporteurs des autres villes de Côte d'Ivoire copient sur la ville de Korogo. C'est très important. Et il va falloir que le gouvernement installe des industries dans le domaine des pneumatiques et des industries automobiles, c'est très important. Et il faut lutter également contre la fraude dans le domaine de la délivrance des documents de visite technique. Ces histoires de Djakoumani et frappe à froid et fraude sur les titres de transport, vraiment, il faut que le ministre des Transports se réveille pour mettre fin à tout ça. Sinon, on risque de ne pas pouvoir s'en sortir.
Donc, moi, j'insiste là-dessus. Il est important d'instaurer les industries automobiles. Et là-dessus, il faut penser aux villes d'Abidjan, de Bouaké et de Kourou. Voici les trois villes où les gens achètent beaucoup plus de véhicules. Il faut penser à ces trois villes, c'est très important. Donc, voilà ce que je voudrais dire en ce qui concerne la fraude dans le domaine des transports. En ce qui concerne la sécurité routière, nous sommes en fin d'année. Le message que je voudrais lancer à l'endroit de tous les usagers de la route, c'est de leur demander d'aller lentement et sûrement. Emprunter les routes nationales en respectant scrupuleusement le code de la route. Ne soyez pas pressés. N'allez pas au-delà des 100 km/h. Respectez vigoureusement le code de la route. Ayez vos documents, réparez vos véhicules, rassurez-vous que le freinage, sinon les freinages sont de très bonne qualité. Rassurez-vous que les phares s'allument correctement, l'éclairage est au top. Ça veut dire les feux arrière, les phares avant, les clignotants, les feux de détresse. Rassurez-vous que tout marche correctement. Vérifiez l'état de vos pneus, c'est très important. Vérifiez que au niveau des roues, en ce qui concerne l'aspect mécanique, tous les boulons sont serrés correctement. En tout cas, vérifiez l'état de votre camion avant de prendre la route. Respectez scrupuleusement le code de la route. Aux agents des forces de l'ordre, nous leur recommandons d'être strictement fermes sur nos routes. Contrôlez les pièces des chauffeurs. Contrôlez leur état d'ivresse. Contrôlez les documents. Si les documents ne sont pas en règle, appliquez la loi. En la matière, ce n'est pas à moi de rappeler la loi ou un policier ou bien un gendarme. Moi, je veux leur demander tout simplement, en tant que policier ou gendarme, vous contrôlez les documents. Si les documents ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi, vous appliquez tout simplement la loi. Ce qui vous a été recommandé, ou bien ce qui vous a été appris à l'école de police ou à l'école de la gendarmerie, ou bien au commissariat, appliquez cela pour ne pas être en porte-à-faux avec la loi. Que chacun fasse son travail en toute responsabilité, c'est très important. Ça, c'est ce qui concerne l'état des véhicules et autres. J'ai déjà parlé des panneaux, des excès de vitesse également. Donc, tous les conducteurs qui se feront prendre et qui seront en porte-à-faux vis-à-vis du code de sécurité routière doivent être tout simplement sanctionnés conformément à la loi. Aujourd'hui encore, je voudrais revenir sur le phénomène des dodanes pour dire à nos autorités compétentes, surtout au ministre de l'équipement routier, de l'entretien routier et de l'équipement, que nos routes qui ont été reconstruites, bitumées, flambant neuves et qui comportent des dodanes nous posent de sérieux soucis. On n'investit pas des milliards et des milliards dans les routes pour encore entraver la libre circulation ou bien rendre difficile la circulation aux usagers de la route. Ce n'est pas du tout bon, c'est méchant. Il faut amener l'Ivoirien à prendre conscience que lui-même doit protéger sa vie en appliquant la loi. Celui qui a un excès de vitesse pour les sanctionner. On ne peut pas imposer les dodanes anarchiques. Vous, quelle route de Côte d'Ivoire vous allez prendre? Où vous n'allez pas voir un village sur 10 km. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous prenez un trajet de 100 km. Vous allez mettre les dodanes un peu partout, 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 partout. Tout ça, ça répond à quoi? Vous venez de réhabiliter la route et vous imposez les dodanes.